Michel Simoneau emprunte la départementale 749 tous les jours. Pour le maire de la commune traversée par cette route, la nouvelle réglementation n'est pas une bonne mesure. C'est une route qui est en bon état pour moi et qui permet de conserver une vitesse à 90 km/h sans aucun problème. Là, c'est sûr qu'il y aura des incivilités, des gens qui vont doubler sur les lignes blanches. Les conducteurs, ça va être plus embêtant que sécurisant. Cette route fait pourtant partie des axes les plus dangereux identifiés par la Ligue contre la violence routière. Pour elle, 10 km/h en moins permettront bien d'éviter des centaines de morts chaque année. Il suffit de baisser d'1% la vitesse et on a 4% de morts en moins. C'est un calcul, c'est-à-dire vous allez moins vite, les chocs sont moins violents, vous avez plus le temps de réagir. Ces derniers mois, les manifestations d'automobilistes et de motards en colère se sont multipliées pour dire non à cette mesure. Une mobilisation inutile. Le décret d'application vient d'être publié. Certains professionnels de la route, eux, demeurent prudents et craignent de voir les incivilités au volant augmenter. Il y a d'autres éléments à traiter, comme les défauts de clignotants, les non-respects des stops réglementaires, hein, puisque plus ça va, plus on en voit, le non-respect des distances de sécurité. Dans la Vienne, la semaine prochaine, 202 panneaux vont être changés ou implantés sur des secteurs particuliers, montant de l'investissement 14 000 euros. On va mettre des panneaux 90 pour signaler aux usagers qu'ils peuvent rouler à 90 sur les portions de voie à deux voies et à 80 sur les voies uniques dans l'autre sens. Pour l'heure, les automobilistes de Poitou-Charentes peuvent encore rouler à 90. À partir du 1er juillet, la vitesse de 80 km/h sera donc la règle sur la route.